Bonjour, tu vas bien? Oui. Bonjour caméra. Bonjour mademoiselle. Nom Luchère, prénom Christian. Né 6 décembre 1963, avocat, conseiller national, marié, père de famille nombreuse, et voilà. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Je monte parfois sur les planches avec trois de mes confrères, Poncet, Valtic, Osreiser. On monte des pièces tous les 6 ans. L'année prochaine, on en monte une qui s'appellera Le Bossu, et dont la première aura lieu le 1er octobre 2014 à 20h30 au Théâtre Piteuf. Soyez tous présents. Il y a un rôle de comédien qui vous a plus plu, dans lequel vous vous êtes senti le plus à l'aise? C'était le dernier où je jouais un espèce de snobinard crétin, et donc il faut croire que ça me correspondait très bien puisque j'ai pu le jouer sans aucun problème. Mon combat principal, c'est le respect des libertés et la mise en avant de la responsabilité personnelle dans ce qu'on fait. En résumé. Ça s'applique comment, une chose pareille? Ça s'applique, par exemple, que pour venir ici ce matin, je n'ai pas demandé à quelqu'un de me conduire, je me suis pris moi-même, tout seul, avec l'argent que j'ai gagné, je me suis acheté une voiture, j'ai payé des impôts entre-temps, et je suis venu. Je serais venu en train, mais là, c'était un tout petit peu trop compliqué ce matin. Ouais. Bon, allez, je vais boire mon champagne, histoire de me mettre à niveau. Santé, il est donc 7h30 le matin, et nous attaquons notre quatrième bouteille de champagne. Santé. Ils sont morts les 13, le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. Équipe talentueuse, on se marre bien, c'est chouette. Ils ont dit plein de choses qui sont vraies, ouais. Et vous, moi j'ai dit que la vérité, je le jure. Le premier qui dit la vérité.